Ça y est, on est arrivé. Il nous a. Notre très cher dépanneur, il est venu récupérer son dû. Ah, t'es venu récupérer ton dû. C'était bien en Belgique. Ouais, parfait. C'était cool, hein? Donc là, notre très cher Jam, il est en train de lui mettre le tout là. Oh là là. T'es en train de faire quoi, Quentin? De rajouter 10 chevaux à la dépanneuse. Ouais. Guigui! C'est où Spa? Spa? Ah, je sais pas où c'est. T'es en train de lui mettre ça parce qu'en fait il y a trop de soleil à l'arrière donc on te fait un pare-soleil rétro, tu vois. Oh, il est trop beau le petit Katpovic. Le mec, c'est le seul mec qui vient poser des trucs à l'arrache, avec une raclette à l'arrache, avec des gens à l'arrache. Bon, donnez-nous des idées parce que là on est en train de voir pour faire un wrap dessus là. Il a essayé de nous trouver la carrosserie la plus défoncée pour pouvoir faire son truc là. Tu veux quoi comme thème? Tiens, on va demander à Guigui. Guigui, on met quoi comme thème? Qu'est-ce que tu aurais vu, toi? On va voir si tu le connais bien. Vas-y. Équipe men, on ne connaît rien, le mec. Gendarmerie. Ah. Eh, franchement, j'avoue. Mais il est là, le truc, là. Non, pas gendarmerie. Tu me fais arrêter direct. T'es un ouf, toi. Tu me fais arrêter direct. La douane du tuning. Voilà, on va t'appeler la douane du tuning. Voilà, il est beau. Qu'est-ce qu'il est Hey, beau. il est beau et il est positionné. Attends, je vais monter dessus. Ah là là, vraiment, ce chat est du noir. Ouais. Ah, il est posé normal. Franchement, il est vraiment posé normal. Mais j'avoue, là, sur du blanc, c'est pas mal. Hein. Ça rend bien. Hein. Il est bien. En plus, j'ai jamais calé de monde. Je lève rarement le truc là. Eh, on dirait vraiment qu'il a toujours été là le truc. Hein. Putain, il est épais le mec. Ce chat, il est épais. Non, c'est cool. N'hésitez pas quand vous voyez vous la voyez, la dépanneuse, le self-hoc. Trop bien. Trop, trop bien. J'espère qu'il fera pas ça comme vidéo. Voilà. Dis-moi, qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait? On siphonne des réservoirs. C'est la crise, il n'y a plus quoi faire. Il y a plus de pétrole dans les stations essence, le pétrole disparaît. Voilà, aujourd'hui, on a au moins 1000 euros dedans. Voilà. On est en train de refaire toute une coque de Hayabusa là. Donc, c'est notre ami qui s'appelle Julien aussi qui s'en occupe. Et là, on va refaire tous les stickers parce que tu vois, ils sont utilisés, usés. Et on va refaire tout ça. Avec le HUC de la Hayabusa. En parallèle, on a une très belle 718 Spider que je vais vous montrer et que je vais vous faire une petite présentation dessus parce qu'elle est vraiment très très jolie, tu vois, avec le double bossage, ou comme ça. Attention. Ah oh ouais, magnifique. Je vous ai fait un petit effet là. On a la magnifique GT3 qui est là. Et oui. Ça te fait du bien de sortir? Oui, ça fait du bien. Oui, de rien, t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller. Bref, je sais pas quoi dire de plus sur le côté. Non, je l'aime beaucoup là. Je la trouve très, très, très jolie. Je vais vous montrer l'avant. Elle est sympathique quand même. Elle est vraiment sympathique quand même. Vous préférez laquelle entre la GT3 et la 718 Spider? On a l'impression que celle-ci, elle veut le diable fou. Celle-ci, c'est plus en petite promenade tranquille et tout, mais sinon, les deux, très très belles. Belle config. Ils sont en train de poser donc le wrap pour la Tesla de Hertist. Il est en train de chauffer le tout. Et là, il a choisi donc un ardo. Donc, on arrive sur le capot qu'on a terminé. Là, on va attaquer toute cette partie. Tout ça va être nardo. Nardo Grau. Voilà, les jantes ont fait un truc. Donc, j'avais pensé à commander des jantes, mais le truc, c'est que ça va peut-être mettre du temps. Et il me semble que ça existe. Oui, je sais, ça va être très bizarre ce que je vais dire. Mais il y a des enjoliveurs spéciaux pour Tesla Model Y qui se mettent en turbine ou en je sais pas quoi là. Et ça fait vraiment très joli quand même, en attendant. C'était soit ça ou soit de les peindre tout de suite celle-là, mais j'aime pas trop la forme d'origine de celle-là, tu vois.
en attendant d'avoir des grosses jantes, tu vois. Je lui avais proposé de mettre des jantes type GT3 dessus. Mais il a pas voulu, mais pourquoi ça sonne tout le temps? C'est pas possible. Oh. Ah, comme ça, ça serait incroyable avec les étriers jaunes. J'arrive. La voiture commence à ressembler à ce qu'on a envie qu'elle ressemble. Il nous manquera juste les jantes. Les jantes, en fait, avec les jantes Jolivert, ce sera plus joli. Ou avec les jantes pures. Les jantes en 21 sont belles quand même. Merci, c'était Quentin. Mais sinon, en vrai, une fois que ce sera tout Nardo Grey, Rock Grey, là, les jantes comme ça, ça choque pas tellement, en vrai. Hein. Ça fait encore acceptable. Mais il manque un petit peu de sport là-dessus. Là, on est en train de fignoler, poser le pare-choc arrière. Comme vous le voyez, c'est un gros morceau. C'est un beau morceau. Elle ressemble presque à la 718 Spider, mais en électrique. Et on va passer aussi sur l'avant, là. Elles sont belles. Et on va passer du coup sur l'arrière, l'avant. C'est trop noir l'avant, c'est d'une tristesse. C'est waouh. Là, on a caché les phares, ça va être plus joli. Là, je voulais voir si je veux mettre du noir aussi, tu vois. Pour que ça soit beaucoup plus sportif. Parce que l'avant, le problème des Tesla, c'est que c'est beaucoup... Il y a une grosse masse en fait, tu vois, c'est un peu triste. Donc, je vais certainement faire une entrée noire comme ça. Et je vais la garder... La grosse bouche là, la petite bouche, elle sera sympa, toute noire. Est-ce qu'on lui fait des bandes tuning? On lui met en dessous édition 507. Mais j'avoue, elle est quand même beaucoup plus jolie comme ça. La Gaieté de Rail en Nardo Grey. Non, pas du tout. Il est beau votre pull, monsieur. Ouais, je l'ai eu chez UG Motors. Voilà, fais voir l'arrière. Ouais, l'arrière c'est ça. Oh, le bouge pas, attends. Théma, le chat, comment il est? Vous pouvez le trouver sur la boutique qui arrive bientôt. Qui est là, ici, là. Au prix de 50 euros. Voilà. On fera sûrement des promos. Moi, je pense que à chaque sortie de Sweat, Sweat, c'est pas Sweat, tu sues. Non, je vais faire à chaque fois, à chaque sortie. De pull, de sweat, de t-shirt, de capote, de stylo, de tout ce que vous voulez, je ferai un événement spécial. Pourquoi tu rigoles? C'est vrai. Protégez-vous, les amis. Il y aura toujours un truc particulier avec ça. Je n'ai pas envie de sortir un truc pour sortir un truc. Là, ça a été sorti pour le BDG. RIP, ouais. La RS6, RIP, la RS4, RIP, la M3. Mais sinon, c'était cool quand même. Ouais. Il y a eu de belles animations. Oui. Interne et extramuros. Ouais. Mais pourquoi tu rigoles? Inch'Allah. Allez, c'est reparti. Hop. Les amis, ceci est un test. En attendant de recevoir les nouvelles jantes de monsieur Artiste. Vous avez vu Thibaut comment il finit vite à chaque fois? Oui, j'ai même pété la gueule. Donc ça va remplacer les jantes. Donc ça, c'est vendu en fait directement via des sites comme Green Drive ou autre. Et là, je vais faire le test. T'as retiré le truc au milieu? Hein? T'as retiré le truc au milieu? Déjà, ce qu'il faut. Nada. Non, faut le laisser. Faut le laisser. Non, faut l'enlever. Attends, il est où? Vous avez vu comment il filme vite, Tib? Mais c'est un ouf, ce mec. Ça va trouver. Donc là, on va essayer de trouver un truc pour le sortir parce que j'ai vraiment envie de voir à quoi ça ressemble. Ah non! Ah non, la flemme de tout enlever, hein, vraiment. Putain. C'est hyper relou à enlever ce truc. Faudesse que tu es. Bon, il faut que je trouve un autre truc. Donc là, on est en train de chercher le nouveau machin pour l'enlever. Je pense que ça peut suffire. Inch'Allah, ça marche. Wesh. Ah.
tu prends ça. Et on va essayer comme ça. Ah, c'est archi relou. Ah, wow. Enfin. Wow. C'est trop relou à enlever. Voilà. Une fois que tu as enlevé ça, tu viens positionner. Tu as un côté valve. Le côté valve qui est là. Tu vois, tu vises la valve. Après, tu as plein de petites clips derrière. Alors, voyons voir ce que ça donne. Franchement, ça le fait. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, hein? C'est très futuriste. C'est futuriste. C'est futuriste. C'est aérodynamique. En attendant. Allez, ok, ça marche. Je vais faire le reste. Et après, on va montrer la voiture à Thomas. Amis, l'oncle Thomas est là. Il est pas venu seul, il est venu en gang là. On dirait pas, mais regarde derrière là, et on a la patronne, elle patronne. On est venu. Ça en va gang. Voilà, filmmaker makeover. Mon gars, je suis excité là, de ouf. Hein. T'es excité? Ah, j'ai hâte. Je sais là, elle est juste derrière la porte. Non, elle est là. Salut. Je n'en demandais pas autant. Au revoir, merci beaucoup. Donc du coup, tu connais la couleur. Elle a été choisie donc par les abonnés. On est d'accord. Ce n'est pas nous qui avons choisi la couleur, c'est les abonnés qui ont voté. Et en plus, tu veux qu'on regarde les votes? Allez, vas-y. Let's go. Alors, à combien de pourcents ils avaient voté pour le Greenardo? Je vais te dire ça tout de suite. En tout cas, le Greenardo avait bien pris le dessus quand même. Hein. Ouais. Alors, à savoir, personne ne sait. Le modèle de la voiture, on voit à peu près la couleur. Donc maintenant, Greenardo qui avait été voté à 41%. Ah, on a vu ta tête, donc c'est bien toi. Ah, c'est bien moi. Ouais, le Greenardo avait été voté à 41% quand même. Hein. Oui. Noir mat 34% et vert kaki 25%. Elle te va grave bien la voiture. Ouais. Franchement, comme le dirait Georges, voiture de on coiffeur. On va faire un deal, non? On veut pas échanger finalement? Non, je voudrais pas t'arnaquer. C'est vrai. Tu risques de m'arnaquer sur ce coup-là. Ok, très bien. Eh ben écoute, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais passer derrière parce que la porte est fermée. Ouais. Je passe derrière, je te fais un petit cloc, 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 toc, toc, toc. On ouvre le truc et on voit ta tête. C'est maintenant là. C'est maintenant tout de suite. Ah, vas-y, go. Le mec, ça fait depuis au moins une semaine, il n'en peut plus, il était à Marrakech, c'était dur. Hein. Ah, je te jure. Heureusement, tu nous as ramené le soleil. Je recevais les notifications, là. Tu sais, ma voiture, quand elle se déverrouillait, là, je disais, oh, ils sont en train de travailler sur la voiture, là, c'est lourd. C'est lourd. Allez, c'est parti. Bon, on y va. C'est parti. Vas-y, go. Et je vous laisse faire votre truc. Vas-y. Là, ils sont pas prêts. Vraiment, ils sont pas prêts. Je vais essayer de faire en sorte de faire, tu sais, sur la Tesla, t'as un mode lumière, machin. Avec un peu de chance, ça va fonctionner. Merci, Davod. Ça va fonctionner normalement. Donc là, tu sais, normalement, quand tu le mets Tesla en mode... Voilà, putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Faudes. Normalement, la Tesla, t'as un mode... Tu sais, lumière et tout. Et là, j'espère que ça va fonctionner. Oui, je vous ai pas fait le tour, mais en fait, elle est comme ça, tu vois. Oh, elle est top. Elle est vraiment belle. Ça, il l'a pas vu. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime beaucoup. Ça passe, tu vois, en attendant les 20 pouces. Là, on va lui mettre après le petit béquet. Mais ça va être bien. Là, il est derrière la porte, hein, il est comme un ouf. En fait, cette petite excitation que tu as, à chaque fois quand tu vas récupérer une voiture, c'est toujours comme ça. Donc, vous prenez la carte. Vous mettez là-dessus, tu vois, tu viens là, hop, là, tu fais programme et spectacle, jeu de lumière, putain, mais c'est nouveau ça, heure planifiée, on va faire 3h27, comme ça au moins ça me laisse une temps, parce que si jamais je le fais tout de suite les gars, ça va se louper, chorégraphie. Donc là, tu vois, je mets mode chorégraphie, animation de la trappe de recharge, des rétroviseurs, des vitres et du coffre. Tac, 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 tac. Volume, on va mettre sa race à fond. Ah non, je vais mettre pas trop. Parce que la dernière fois, je me suis fait avoir quand j'ai fait ça. YouTube, il m'a envoyé yesh. Ah, c'est pas grave, je changerai la musique. Donc là, je vais le mettre à fond. Ok. Donc là, allez, 3h28, confirmé. Allez, vite, regarde. Là, tu vois les petits compètes à roues. Assure.
quitter le véhicule avant le début du jeu de lumière. Là, une 37. Comptez avec moi, les amis. Une 37, une 33, une 30. Allez, c'est parti. C'est bon, on peut y aller ? On peut y aller. Ok, c'est parti. Allez, c'est parti, go. Non. T'aimes bien ? C'est pas possible. C'est ma voiture ? Waouh, elle est trop belle. Oh. La dinguerie. Non. Frérot, j'ai pas les mots. Frérot, il reste 47 secondes. Attends, recule un peu. Recule un peu, recule un peu. Qu'est-ce que t'en penses ? Mais c'est encore mieux. C'est encore mieux que ce que j'espérais. Reste là, mais franchement, il faut que tu la regardes. Comment elle est ? Attends. Franchement, mais encore mieux que ce que j'imaginais. C'est incroyable. Alors, mets-toi devant. Attends, je vais essayer de te faire un truc sympa, propre. Mets-toi devant. Normalement, quoi ? Cette voiture a une option supplémentaire. Que j'ai jamais utilisée. Que tu n'as jamais utilisée. Est-ce que, madame, vous pouvez aller filmer la réaction de monsieur, s'il vous plaît ? Quoi ? Jarvis, lumière. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have it doubts, not what I'm about. Have your f***ing cloud, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Que je voulais, mais ouais. Vraiment. Exactement. Merci aux abonnés. Hein. Merci aux abonnés. Je pense qu'on a fait le bon choix. Là. Ouais. Et là, normal, tu vois, la bagnole, elle se ferme toute seule et tout. Merci, ouais. Maître, tu viens me récupérer. C'est la fête, et après, on remballe tout. Quoi. Trop top, trop top. Toi, t'en es content aussi ou pas? De ouf. Est-ce que t'es content de ton travail, toi? De ouf. Mais ça, là, viens voir. C'est ça que je t'avais dit. Ouais. Les jantes. Oui. Obligatoire, fallait faire un truc comme ça. Ouais. C'est en attendant. Ouais, les jantes. Même en 19 comme ça, ça mais passe. Mais ça passe, hein. Ça passe très bien. Comparé aux autres d'avant, là, ça n'a rien à voir. Et t'as vu les petites touches, les détails. Ouais. Là, le fait que le logo soit noir aussi, ça change. Mmh. Incroyable. Non, là, les... aussi, là, les petits détails. En fait, il y a des petits détails. En fait, l'avant était trop massif. Et là, le fait que ça soit comme ça, c'est nickel. Et à l'arrière, viens voir, à l'arrière, je vais te montrer un peu ce qu'on a fait. Julien, je t'aime. Merci, ça fait plaisir. Tout le monde me dit ça. J'ai grave des amants. Julien, je suis amoureux de toi, Julien. Il y a ma femme juste ici, mais je crois que... Ils t'ont fumé les catadiopes parce que c'était trop rouge derrière. Elle est sexy, la voiture. Là, elle est sexy. Ah, elle est sexy, hein. C'est ce que je disais, il manque juste ce petit béquet, on est bon. Ah oui, le petit béquet noir, là, qu'on va rajouter après. Ouais. Oh. Mais en fait, on ne la fait pas entièrement d'un coup, parce que si on la fait entièrement d'un coup, ce sera trop nul. Vaut mieux aller petit à petit, étape par étape. En plus, il a prévu des trucs pour ma tête, là. Je sais pas qu'est-ce que t'as prévu. Ouais, on est en projet. Là, j'ai peur, tu vois. J'ai aussi un projet pour les cheveux de Julien. Autant moi, quand je gère mes trucs, c'est une chose. Mais quand les autres me gèrent mes trucs à moi, c'est frérot. C'est ça. Moi, j'ai envie de lui faire une coloration, mais il est pas trop chaud pour l'instant, Julien. Mais c'est t'inquiète. Mais non, ça se négocie, non? Oui, ça se négocie. Tu sais, j'y crois pas. En fait, je me dis, c'est pas ma voiture, quoi. Elle est mieux comme ça. Je me dis, tu sais, je vais la rendre dans deux jours, c'est pas à moi, quoi. Elle est beaucoup mieux comme ça, hein. T'as vu, en noir, c'était en fait, triste, en noir, hein. Ça faisait trop Uber, tu vois. Ça faisait trop chauffeur, trop chauffeur privé, quoi, tu vois. Ouais. Là, c'est bon. Elle a une vraie identité, la voiture. Là. Ouais, on sait que c'est la tienne. Hein. Là, elle me ressemble bien. Ouais. C'est exactement ça. Les gars, merci d'avoir voté Grinardo. Hein. Mettez dans les commentaires si vous voulez que Adrien se fasse une coloration de la même couleur. Nardo tête, tu vois. Nardo hair. Ah, pourquoi t'as sorti ma voiture? Est-ce que t'es d'accord ou pas? Ouais, ça va, j'accepte. On va faire un truc. Je vais me faire les cheveux en gris maintenant. Pour être assorti à la voiture.
Et au beau-père, voilà. C'est ça. Ah oui. Il est bien poivré, celle du beau-père aussi. Hein. Grave. Non, mais voilà, c'est pareil. Très, très beau. Mmh. Très, très beau. Oh là là. Mais j'espère, mon frère, que ça t'a plu. Mais c'est incroyable, je te jure, je suis choqué. Carrément. J'espère que ça t'a plu. Ouais. Bien sûr que t'aimes bien. J'adore. Alors, merci pour ton taf. Prochain niveau, on fait quoi? On fait l'intérieur, l'extérieur? Parce que moi, j'aime pas terminer les voitures. Apparemment, le bois, il te dérange un petit peu à l'intérieur. Il me dérange? C'est vrai qu'il me dérange aussi un peu. Mais elle est ouverte ou quoi? Oui, ouais, bah oui. Il y a l'effet bois. Bon, moi, je me suis habitué. Mais c'est vrai que ça, si on arrive à le modifier aussi. Il manque un peu de lumière, tu sais, genre un peu de LED à l'intérieur. Ouais. Comme dans ton studio. En fait, ce serait bien de reproduire ton studio à l'intérieur, genre en mode... Ambiance, voilà. Ambiance RT Studio, quoi. Ouais. Non, mais c'est trop. Ouais, et le béquet aussi. Et le béquet aussi, ouais. Le béquet noir, c'est ça. Le béquet et... Même les jantes, en vrai, pour l'instant, comme ça va. En vrai. Là, c'est bien parce que c'est pas trop foncé, c'est pas trop clair. Parce que t'as vu, on a hésité, tu vois, sur plusieurs grilles. Mais là, c'est vraiment celui que j'attendais, quoi. Eh ben, très bien. Oh là, voilà, il y a le gang là-bas, il y a le gang là. Elle est beau ton AM. Bah, ça va, ça rend bien ça, non? Bah oui, ça va. Ah, mais elle est cassée celle-là? Non, c'est pour la valve, frérot. Ah, ok. Je croyais que tu... Oh, c'est pour la valve. C'est pour la valve. Sinon, tu peux pas accéder. Ah, oui, c'est vrai, t'as raison. Tu peux pas gonfler tes pneus. Oh. Calin. Aïe, aïe, aïe. Quel taf. Franchement, je suis en admiration face à la taf. Nous, on aime bien le travail bien fait, tu sais comment on est. On est des perfectionnistes, tu vois ce que je veux dire. On est des relous. Et quand tu vois le travail comme ça, parce qu'il est bien fait... On est des relous de la terre. Mais vous aimez bien nous voir relous comme ça. Les gars, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Ouais. Mettez une petite note sur 10 à ce véhicule fou, là. Oh, à ce vaisseau-mère. Ce vaisseau-mère. Ah, et merci d'avoir regardé cette vidéo. On arrive sur la fin de la vidéo. On voit par la suite ce qu'on va faire dessus, mais moi, j'ai plein d'idées. Et moi, j'ai plein d'idées sur ta tête. Ouais, plein d'idées dans ma tête. Les gars, restez branchés, il va y avoir des transformations, là. N'hésitez pas, likez, abonnez-vous, RTIS, machin, on est tous là. Abonnez-vous à la chaîne du frérot, donnez de la force. Tous présents. Ciao.